Ça a été une ambiance hors du commun, la célébration de la fête des Pâques au sein de la paroisse Sainte-Barbe de Kipushi. Auréolée de chants de gloire et d'actions de grâce, cette commémoration célèbre la grandeur de Dieu créateur du ciel et de la terre qui a envoyé Jésus-Christ pour nous dépouiller du vieil homme. Un temps de fête qui invite les chrétiens à revisiter la richesse de leur foi au Christ ressuscité. Christ ressuscité rend capable aux chrétiens de porter un regard lucide sur soi-même et y voir ce que le Christ transforme en germe d'une vie nouvelle, porteuse des promesses. Par le recevoir, non. Christou, Nimzima. Christou, Amefufuka. Christou, Nimwana Wamungu. Nangile ya lazima maisha yetu jisi wa Christou. Jumana minasema, siku kuya Pasta. Jomsingi wa imani yetu. Au cours de cette célébration eucharistique, 63 enfants qui, après avoir suivi les cursus de la catéchèse de l'Église catholique, ont eu leur première communion et 17 bébés catéchumènes de 0 à 5 ans ont eu leur premier baptême. Un baptême de transformation en Christ selon la foi de leurs parents qui ont cru que c'est un chemin vers la vie éternelle. Ainsi débute le temps liturgique pascal, une période importante pour la vie de l'Église consacrée à célébrer l'actualité de la résurrection du Christ dans la vie des chrétiens et une période qui se déploie sur 50 jours jusqu'à la Pentecôte.